merci d'être là. Bon, la lecture publique va bientôt commencer. Et si vous voulez aller commander quelque chose en attendant, n'hésitez pas, voilà. Donc merci, puis bah, à tout de suite. Donc on va commencer justement en remerciant Bibliocafé qui nous accueille ici et leur équipe parce que vraiment ils se sont rendus très disponibles pour nous, on a été vraiment accueillis avec plaisir, donc voilà, merci à eux. Et j'en profite pour vous dire que si vous avez soif, n'hésitez pas à aller au bar et à commander, comme ça tout le monde sera content, c'est super. Donc nous, nous sommes les Fabulations, donc je me présente Mathilde Durand, je vous ai entendu ou pas? Oui. Mathilde Durand et Marie Gréau. Donc on vient de monter notre entreprise qui propose des ateliers d'écriture. Alors les fabulations, qu'est-ce que c'est? Donc comme je disais, c'est des ateliers d'expression créative qui reposent à la fois sur l'écriture et sur la lecture. Et donc nous, on a décidé de le faire sur un principe de contrainte. C'est-à-dire qu'on propose des sujets. Et pourquoi des contraintes? Parce qu'on pense que déjà, ça va pousser au surpassement. Et donc... titiller la créativité, on va dire, et aussi parce qu'on s'est aperçu que même si tout le monde a la même contrainte de départ, tous les textes sont différents. Donc c'est aussi pour montrer une sorte de richesse dans la créativité et dans la littérature. Alors rapidement, comment se déroulent les séances, comment elles se sont déroulées? On introduit un thème, souvent en faisant des petits jeux, voilà. Et ensuite, donc il y a un temps de réflexion, un temps d'écriture, et ensuite un temps de partage. Soit sur les difficultés qu'on a rencontrées, et ensuite la lecture, qu'est-ce qu'on en pense, voilà. L'idée, c'est vraiment de réfléchir sur comment on écrit, pourquoi on écrit, et faire en sorte de confronter notre créativité, notre imagination pour évoluer. On ne dispense pas des recettes d'écriture, comment écrire un super best-seller, ou quelque chose comme ça, on n'a absolument pas la prétention de faire ces choses-là. Ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de recréer du lien social, de créer un lieu de partage où la littérature vraiment va devenir ce lieu de partage-là. Enlever l'idée un peu élitiste qu'on peut avoir parfois de l'écriture, de la littérature. Et cette image un peu scolaire qu'on va en avoir là, ça va vraiment être un moment de plaisir, de détente, convivial. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de créer, on espère que c'est ce qu'on a réussi à faire avec vous. On est aussi étudiante dans le master Libre Médiation, donc en fac de lettres à Poitiers. Et donc c'est aussi le master qui a organisé le festival Bruit de langue dans lequel on est intervenu pour justement proposer des ateliers d'écriture. Le festival il a pour but d'ouvrir la littérature à tous, donc ça s'inscrivait parfaitement dans notre projet. Et on a travaillé vraiment sur les thèmes bruit et langue. On a créé des sujets d'écriture à partir de ça. Donc on va vous présenter ces sujets d'écriture-là. Ensuite, vous allez entendre les participants et il y aura des temps d'échange. Vous pourrez discuter avec eux, poser vos questions. Babillement, babiller, tourner, tour, pigeon vol, tourni, derviche, tourni, coti, hélico, idal, idée de celui qui est, sommes, sommes-nous, sommes-vous êtes, nous serons, alors, ainsi il vint. Toutefois, puisque nous en avons déjà retiré le procédé d'abstraction, qu'il a réfléchi, étudions-la, allons, lançons-nous, allons. Tout y parlerait à l'âme en secret, mythe, mot, mu. Ich weiß es nicht und du weißt es auch nicht. Une brique, deux blocs, un broc, toc, accro, patatras, bab, bab, babil, encore. C'est en ces lieux, toujours allant, toujours revenant, c'est ainsi. Chut. Allons, ne fais pas ça! Croc, croc, croc. Enfin, tu l'as avalé en trois bouchées. N'as-tu donc aucune retenue? Oh, il va falloir nettoyer tout ça. Comme tu m'insupportes, allez, woust! Et reviens lorsque tu seras calmé. Eh bien, il semblerait que tout soit déjà fini, qu'il n'y en ait plus. Me voilà bien embarrassé. Moi qui comptais vous détailler l'incroyable saveur de la sauce soja salée de la page 14, ou même le piquant redoutable du mapo tofu de la page 57, j'ai à peine pu évoquer le sommaire à vous en mettre l'eau à la bouche, tellement d'eau d'ailleurs que la page en était toute gondolée. Il semblerait que mon fils ait encore du mal à se contrôler. Vous savez, il souffre d'un étrange problème. Enfin, souffre n'est peut-être pas approprié ici, mais voyez... Il s'est mis à manger tout le papier qui lui passait sous la dent. Et ce n'est pas tout. Il en recrache le contenu. Il en recrache littéralement le contenu. Les premiers livres d'aventure que nous lui avons offerts,
tous dévorés, si bien qu'il s'est mis à vomir serpents, voleurs et trésors en tout genre. Le roman L'eau de rose, n'en parlons pas, son haleine florale a empesté toute la maison. Et je ne préfère même pas parler du jour où il s'est mis à la rubrique nécrologique du journal. Minuit, la silhouette hésite, volubile. Ses contours se dessinent avec de plus en plus d'acuité, tandis qu'elle se précipite sur mon ventre de vénalité. Débris d'exploit nocturne, le mal me jette un coup d'œil honteux, rendu obligatoire par ce qui lui reste d'humanité. Je replonge la main dans ce portefeuille. Portefeuille, un artefact dont le seul nom est métonymie de tous mes espoirs. Rassénéré par le souvenir de quelques pécules, il déglutit, en tendant les doigts vers moi. Je demeure immobile. À lui de choisir. Je suis à sa carte. À sa carte. Un sourire de métal s'esquisse sur mon visage d'ordinaire immuable. À n'importe quelle heure, il vient toujours quelques âmes perdues, résidents du quartier ou touristes égarés, pour m'apporter ma ration, tribut de mon travail sans horaire, réduit à la simple obtention d'un salaire. Au comble de l'excitation, je laisse pianoter ma sensibilité et mets ça et là quelques mélodies de synthèse, notes que je ressors indifféremment à tous mes clients, en anticipation de leurs frais. Je suis automatique, une machine humanisée, réduite à avaler, recracher, toujours disponible, 24/24 en roue libre. Je m'impatiente. Le nouveau venu ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait jamais ce qu'on désire tant que l'on n'en a pas besoin. Pas un souffle, pas une voix, pas une plainte. Comme de coutume, nulle chose ne subsistait à ses côtés. Elle souillait sans cesse, condamnée à la tâche de muette témoin de la déliquescence, de la décomposition du monde, de son monde. Chaque instant qui passait la menait inlassablement, comme captive d'une cage fluviale, à l'immuable océan de sa fin. Elle n'entendit pas le tintement éclatant de la tasse ayant chu, ainsi qu'un défunt n'écoute pas le glas de l'église quand vient son inhumation. La valse incessante des objets cassés l'exténuait. Depuis qu'elle s'était éveillée, aucun ne semblait souhaiter sa compagnie. Sa peau lui faisait mal, davantage à chaque minute. Le sommeil lui-même s'était asséché de songe. Il ne suscitait qu'éclat, image à demi effacée, constellation d'infime néant. Larme rouge, s'allongeait en long, 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 se levait perpendiculaire au sol, grandit dans la salle de bain au miroir. Bonjour, se regarder dedans, se pencher sur le lavabo, faire couler l'eau fraîche sur le visage pour réveiller l'endormi. Dans la cuisine, faire couler le café chaud, peler la pomme, croquer, boire du café, du café, du café. Retourner dans la salle de bain, brosser l'ivoire, brosser le crin, brosser les ongles, reluire. Choisir une odeur, une couleur. Retourner dans la chambre pour s'habiller, puis descendre l'escalier jusqu'à la kangourou, bonjour. Se rendre là-bas, croiser des gens, bonjour. Nouveau bonjour, des pas nouveaux, bonjour. Puis en revenir avec plaisir, là où cela commença. Je ne me souviens plus très bien du tout premier livre que j'ai dévoré. Je crois que c'est ma mère qui m'a donné ma première béquille littéraire. Un délicieux imagier, délicatement parfumé d'illustrations colorées. S'en est suivi une longue dégustation en tout genre, et de tout genre. D'abord, des histoires courtes pour se faire la main. Ça se digère facilement et rapidement. Puis des plus longues, et plus je mangeais de livres, plus mon appétit grandissait. La bibliothèque de mon école ne contenait plus suffisamment de saveurs. Il fallait que j'en trouve d'autres ailleurs. Alors, ma mère m'aidait à chercher de nouveaux ouvrages, à me mettre sous la dent. Je suis devenue une grande mangeuse de livres. Du roman d'aventure, qui donne des sursauts à l'estomac, la digestion n'est pas facile pour ce genre d'ouvrage, pour peu qu'il contienne un ou deux dragons. Des histoires d'amour, par pas trop parfumées à l'eau de rose. Du fantastique, qui a tendance à faire basculer les papilles dans un autre monde. Retrouver à la médiathèque d'Angoulême, donc l'Alpha, où on donne notre premier atelier d'écriture là-bas le 24 mars. Voilà. Sur un thème qui s'appelle Rabi et Doux, on ne vous en dit pas plus. On a un site internet, c'est lesfabulations.wordpress.com. Et vous pouvez trouver plein de choses dessus. Il y a tous les textes des participants qui n'ont pas pu être lus. On y poste aussi régulièrement des infos. On est sur tous les réseaux sociaux. Donc merci, c'est vraiment assez chouette. D'autres compliments ou...